Chers téléspectateurs, salut et bienvenue sur Haitian Public Media. Moi, c'est Abner Angelin. C'est un plaisir que nous ensemble. Encore une fois, je dis là, nous gagnons avec nous Fritz Lalanne depuis Port-au-Prince et puis Lou Evans Arnay qui pourra passer un bon moment avec nous là. Frère Lalanne, comment y est? PDG Abner, salut vous. Salut PDG Lou. Salut tout. Super branché HEM et moi très bien. C'est un plaisir pour moi participer dans l'émission aujourd'hui qui est 2 septembre 2020. Ok, Lou Evans, Arne, comment est-ce que vous êtes? Abner, je vous salue. Je salue Lalanne. Je salue tous les amis téléspectateurs. Qui pour le temps de là, donc c'est un plaisir pour ma reine encore aujourd'hui. Ok, on a commencé. Nous croyons que grand pile situation qui a développé à travers le monde et surtout en Haïti. Nous pouvons commencer en Haïti avec la LAN qui porte au point ce qui parle dans tout dernier dossier qui vient la créer derrière là. Haïti, tout le monde connaît Haïti qui lui-même gagne une crise spontanée côté mort, Blaye dans Port-au-Prince, après passage de tempête tropicale Laura qui fait 21 morts, 5 portes disparues, et ensuite, dans la même semaine, côté Haïti, à travers 3 départements, on a dit 4, à compter cadavres, on vient gagner une tempête de cartouches qui Blaye sous Port-au-Prince, côté, dans une semaine, plus passé 9 personnes tombées par balle. 9 mounes par balle, parmi eux même, nous jouons Maître Dorval lui-même, qui fait actualité à chaque jour. Et dans le week-end, sorti samedi, dimanche, au bout de lundi, Belair lui-même, Cabral Kone, ils ont frappé, pour pas dire, ils ont attaqué sporadique, côté un groupe attaqué plusieurs quartiers dans Belair. Et chiffre moyo beaucoup fine personne beaucoup cabayon chiffre officiel ni au niveau de gouvernement ni la mairie ni la police, mais gagne quantité caille qui brûlé yo poko cabay en fin bilan non plus sur 3 instances yo la mairie poko bay bilan, ministère de l'intérieur poko bay bilan et ouvrent la police pour qu'on baille bilan, et en quelle institution, ni la presse, en quelle presse pour qu'on baille bilan, association pour qu'on baille bilan, quantité mort, ni quantité qui a été brûlé. Et hier, nous avons fait un coup de pied dans Bel Air, surtout dans la zone Delma 18 sans fil, et où Delma 18 sans fil de son fort. Nous avons visité un parti dans Bel Air. Depuis le Delma 18 pour arriver dans Maya lui-même qui était frappé par la tempête de feu, plus passé 8 machines brûlées, et voitures qui brûlées, il n'y a pas de distance, on ne peut pas mettre à distance de 200 mètres même, parce qu'il y a un garage à ciel ouvert, mais on roule, qui c'est dans le pont Maya, lui-même garage là, depuis ces voitures qui étaient sous zone pont 1, toutes brûlées, et quelques voitures qui t'a tout près l'école République du Dahomey, qui sont l'école nationale République du Dahomey, qui lui-même, machine ça qui parquait, nous avons ces machines en panne, nous avons ces machines qui étaient fonctionnelles, machine ça nous vend plusieurs, nous avons vite écrasé. Et nous avons eu qui, juste avant Maya, nous avons un site qui devant Port-au-Prince, qui brûlait, nous avons eu l'autre, soit en haut d'Europe, ou de vous a libulé et ou te servi avec comme barricade. Et à travers son fil, c'est barricade, et nous-mêmes qui tapons pour nous rentrer dans Maya et l'autre côté pour nous aller ouest, nous sommes capables de vérifier les maisons qui brûlent. Par faute que gagnent des tirs nourris, des tirs sporadiques de temps à autre, nous sommes obligés par mesure de prudence, puisque nous-mêmes, nous ne sommes pas dans l'équipe, nous-mêmes. Et nous sommes obligés d'aller vers sans fil. Et sans fil, nous avons dit caractère de l'air bon au niveau de Delma 18, il y a un caractère à l'époque où, élection 21 mai 2000, côté chaque monde désiré
les zones noires avec des barricades pour juste pour empêcher que vagabond vienne faire violence dans le bureau de vote. C'est comme ça, zone Delma 18 là, depuis dans la zone Bomayan, Albout, devant ancienne archive et pour t'amener tête et sport national, c'est comme ça la situation lui-même. Lui est chaque zone barricade dans l'entrée pour protéger eux. Donc nous, tout en passant dans Delma 18, on va pas venir au côté pour un monde bon là où il y a parlé. Zone noté comme s'il te fait noir bon midi, puisque si on veut une petite poche, peut-être qu'il y a 5 à 6 personnes qui campent, ou qu'il y a près de 50 à 100 mètres pour venir l'autre poche. Petite poche ou ouais, c'est quelques personnes qui décident, des braves qui étaient. Et au niveau de maison, est-ce que maison, il y a des gens qui sont dans la galerie, comme à l'ordinaire, qui sont dans la galerie, pas bien ça. Maison, bon côté par là, il y a des vides. Ou de pas qu'il y a un monde dans la galerie. Et dans tout couloir, dans tout impasse, ou pas un monde qui campait comme des foules, je nous dois assez chaque 100 mètres, ou bien même 200 mètres, même pour un. L'un d'a filmé, l'un d'a pensé et prendre des photos, majorité barricade nous pour nous prendre des photos, pas de gagner un monde de côté. Ou même si tu avais posé une question, pour ta parler de chaque gagner, on parle de monde. Si gagner, il y a distance, et distance, il y a le visage, il y a peur. Gagner peur. Pour t'aider nos monde pour une interview, il est obligé de rentrer dans nos zones, il sent lui-même, il est en paix. Si le monde a venu, il est carrément le monde qui a venu, il est carrément comme des petits, parce que son monde, son mari, c'est madame Bandilier, et madame Bandilier, égale, on parle de parole, laisse une parler, n'a parlé de ça de besoin. Ce qui veut dire, même mon interview à l'intérieur de Delma 18, on va apprendre. Et monsieur qui te fait attaque, est-ce que tu es dans la machine? Sur l'information, nous recueillons, monsieur, pas dans la machine. Il n'y a pas de motocyclette, c'est vraiment mais à pied, il est fait. Et zone Delma 18, à hauteur de Wiroyol, dans Delma 18, Wiroyol, c'est pour aller vers Springville Collège, et pour arriver, pour traverser, aller Delma 18 sous route, et pour boulevard Delma, pour nous dire autoroute de Delma, zone ça, il n'y a pas de barricade, il n'y a pas de sous machine, il n'y a pas de barricade. C'est là où il est dans le point, dans le coup là, zone, il n'y a pas de green machine, ni moto. Nous, on a pu marcher, et bien, machine va y casser tête tournée. Quand le monde va faire aussi, il senti devant pas bon. Et c'est là que vous parlez devant Maillard, et dans la zone Maillard, on commence à voir barricade. Après quoi, deux archives, dans la zone archives, aux alentours de midi, il y a une situation qui a produit dans Bel Air. Bel Air, et pas Bel Air, non, oui, des fonds forts. Oui, des fonds forts, lui-même, il y a un pick-up qui a gagné des hommes armés, même manchette dans mes messieurs. Il était en noir, et monsieur Fayot était débarqué côté devant la zone cathédrale pour demander avec monsieur Capron, j'ai téléphone, l'autre bouquiniste dans la zone d'Arras. Et bien, il y a eu une pression pour nous vider les yeux. Et c'est comme ça, là, nos informations ont été besoin de nous avons fait un coup de pied devant la cathédrale pour au prince sous les confort. Nous avons eu vraiment. Tout le monde a plié bagage pour te retirer comme dans la route. L'un d'entre eux essayait, grand oui, après que nous avons fait une couvrir étudiants devant le palais national, qui était pris chaise côté salle de classe, c'est avec le servi pour faire barricade dans la zone de l'hôpital, ancien hôpital militaire, pour traverser aller vers l'hôpital général. Eh bien, point ça, bon, Radio Lab surtout, côté consul américain qui a été logé là-avant. Ou une zone ta lui-même te gagne en situation ta développé, puisque étudiant yo, ou son moto ta essaye prêche pour passer, yo bando pour casser tête tourne, sou fè rebelle, yo essaye voye wash, bien que n'a pas dit wash ou voye, yo pas voye wash la, a essaye pour prendre ni moun basage sou moto wa, ni chauffeur moto wa, mais c'est en forme de pression. Et même nous-mêmes qui ta essaye traverser après Radio Lab, moun te, ou que une bon barrière palais national pour moi qui manœuvre qui a fait est-ce que monsieur qui UGPN qui était dans la rue là est-ce que même il pral intervenu et ben nous te gain wash qui t'a traversé pied nous wash qui t'a traversé pied là c'est wash là il fin tomber c'est lui même c'est cous c'est cinq cous là qui est arrivé mon pied mais c'est pas coup wash pour dire fait derrière ou comme si pour faire violence. Et il y a GPN, l'aide dans la rue à lui-même, nous te représentons lui, c'est pas dans la rue pour être capable de mettre au là, c'était justement pour te sécuriser, rentrer président, puisque nous avons deux blindés
il y a deux pick-up USGPN, c'était dans quatre présidents qui ont rentré dans le palais, où tu es présent. Après, quand tu es là, il y a six mots qui t'ont patrouillé. Mais aux alentours de Port-au-Prince, on va sentir présence de la police. Et sous grand rue, marchant en bas, grand rue, pour aller bout de grand rue, vous pavé, pour aller bout de juste Sandarelle, marché tête bœuf, ces zones là qui ont des gens qui ont des petits marchands d'état à bon, et bien même si comme ça, tu allé dans une zone là pour demander, ils ont vidé les lieux. Même si comme ça, tu allé pour demander de vider les lieux. Quand ça veut dire aux alentours de une heure, eh bien, zone grand où il y a, dans la zone Noudou là-haut, oui, pavé, oui, des miracles, ils ont été vides parce que les gens ont quitté pour aller à la caille. Ça veut dire pour nous atteindre la caille, nous, dans quoi des bouquets, c'est pas la zone pour tomber sur le viaduc et puis prendre route à l'aéroport pour même nous avoir un moyen pour entrer la caille. Pas au prince, comme nous connaissons un pays, il y a un pays qui est divisé en trois, en deux républiques et départements, ils ont été coupés. Avec Sandarelle et des États assistés. Oui. C'est comme ça Haïti représente le jour de deux républiques, une république de Pétionville, qui a un bassonnet économique, l'autre, là, c'est la république de Port-au-Prince, qui a un bassonnet politique, et puis État assisté, c'est les 9 départements qui étaient considérés comme État assisté. Alors, c'est comme ça la situation lui-même lui présente dans Port-au-Prince, côté jusqu'à présent, par un bilan de travail, sous question, attaque sporadique qui fait, lundi soir, lundi après-midi, dans Bel Air, depuis Port-au-Prince, zone métropolitaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lalanne. Merci beaucoup, Militaire. Annie, fais nous connaître qui s'est passé de côté de bon, et comme information, moi-même, moi, gagné. Tout d'abord, bon côté Port-au-Prince, face à Sakirive, M. Doval, assassinat M. Doval. Il y a un avocat même dans le port de paix qui te font lever campé hier pour te dénoncer l'assassinat et puis qui pour te demander rapidement pour la justice lui faire chemin pour capable punir coupable. Donc information qui est venue rejoindre des dernières heures hier après-midi, et bien avocat a décidé de te fermer parquet. Est-ce que parquet a l'ouvre aujourd'hui? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas joué une vraie information pour aujourd'hui pour me connait. Mais après que l'avocat ou dans le port de paix a même été levé campé pour te dénoncer ça que tu as passé malgré que tu as la pluie sous ville hier, mais l'avocat a décidé de te fermer parquet jusqu'à nouvel ordre. Mais nous ne connaissons pas aujourd'hui si parquet a lui-même s'il retourne à l'ouvre. Après ça, même Jean, autant de dans la capitale haïtienne, non, avec dans la Tibonite, gang a multiplié. Eh bien, c'est comme ça tout, dans la zone nord-ouest, eh bien, phénomène gang lui-même tout l'a fait parler de lui tout. C'est l'histoire dans la zone Saint-Louis du Nord, avec Hans Affoleur, et surtout dans la section communale, et gang lui-même, il a fait l'appui et les beaux temps. Et gang, pas seulement Chita Port-au-Prince, pas seulement Chita dans la Tibonite, mais dans le nord-ouest, il y a gang tout qui a fait parler de yo. Il y a moun même qui est arrivé mourir, surtout dans la zone côté la Tibonite, partager et limite li avec le nord-ouest, entre commune Goumon avec commune Saint-Louis du Nord. Donc, son véritable tête chargée. Et il a bruit que tu as un bandit qui fait dégâts, qui fait malheur. Dans zone Saint-Louis du Nord et puis elle caché dans zone section et communale dans mon côté le capable difficile pour la police à le joindre. Et zam ça autant qu'on t'a dit ce sont des âmes et qui t'a sorti vers la République dominicaine qui bandit ça même y a servir pour semer terreur dans département nord-ouest. Comme on connaît déjà dans jour passé, yo t'ai gagné incident regrettable qui t'arrivé, c'est un petit bateau qui t'est coulé. Donc t'ai gagné plusieurs morts, donc ça n'obus pas jamais fin et bouquet contre cadavre dans situation ça yo, donc il était à un problème ça de concert avec ses de façon à ce que les bateaux yo pas assuré pour moun pas essayer traverser la mer là dans n'importe quelle condition, donc ça pour faire la lui même il doit faire en tout cas comme nous connaît tout et dans jour passé là t'ai gagné yon parler le cyclone qui était passé sous pays là. Mais actuellement là tout nous pouvons remarquer qu'il y a deux tempêtes tropicales qui sont en formation mais qui pas vraiment représenté une menace pour Haïti,
c'est dans le dernier point de bord États-Unis, qui a déformé les États-Unis. Côté qu'on a la ligne point aussi Atlantique pour lui-même. Et puis, gagné tout, bon, alors, faut qu'on dise que lui-même, c'est le cyclone Omar, c'est la tempête tropicale Omar. Omar, qu'on a là, lui-même qui déjà point aussi Atlantique pour lui. Et puis après ça, gagné Nana, Nana qu'on a là, qui a gagné pour le traverser entre jeudi à demain, sorti la mer Caraïbe là, pour la traverser Belize avec Guatemala, après ça pour la tomber Mexique. Donc Nana lui-même l'a bien pour rentrer d'ici demain ou bien après demain sous territoire ça. Après ça, il y a deux ondes tropicales qui sont censées former là tout dans l'océan Atlantique là. Une qui c'est déjà dans mi-temps océan Atlantique là, mais plus près côte sud océan Atlantique là, pardon, qui a dû prendre direction ouest pour aller vers les petites Antilles sud. Donc côté il allait trouver lui exactement au nord-est de Guyane française, mais très loin. Donc là prend des jours pour qu'il soit capable de bon côté petites Antilles. Et puis bon deuxième encore tout qui formait déjà dans route là, qui formait exactement dans pointe continent africain et lui trouver lui au sud-est de l'archipel de Cap-Vert, côté que les Cap-Verde, c'est un petit groupe d'îles qui trouve sous côté continent africain. Donc là il trouve au sud-est de Cap-Vert, qui a préparé là encore qu'à prendre direction ouest. Donc n'a pas gardé pour nous exactement est-ce qu'il y a venu pour capable menaçant pour Haïti. Nous on est mais faut qu'on capable de tendre d'ici week-end qu'a venir ou bien commencement semaine prochaine là pour capable bien plus de détails concernant onde tropicale ça qui a formé qui capable de devenir cyclone si possible. Donc il y a encore bonne pour parler ça. Donc, seulement nous alerter ça pour mettre à la surveillance au cas où, eh bien, vous êtes capable de servir des menaces, eh bien, HPM a bien information ça, pour qu'il soit capable d'arriver informer les téléspectateurs, surtout ça qui en Haïti. Merci beaucoup, Anne. Nous pouvons entrer dans des informations internationales. Nous connaissons que aujourd'hui, là, nous gagnons le président République dominicaine qui font déclaration et nous pouvons faire une discussion sur ça. Et me qu'elle parler de affaire de immigration pour haïtiens qui entrer dans pays à pour le travail. Il dit que le terrain mais que si haïtien vini, c'est vinn travailler avec papier puis gain et ça créer les yon on papier qui pour faire au travail, un permis de travail. Et après ça, depuis au fini retourner la caillou. Il pas supposé rester dans pays en plus que ça. Donc nous croit que son bail qui est important, pas quoi que son bail qui mal relié. Qui ça qu'une pensée de déclaration ça? Mais déjà, nous, bravo. On va voir avant, bon, pas de problème à prendre. Wow. Merci. OK. Je pense que M. Abinader, qui est nouveau président de la République dominicaine, non, M. Liguin raison, c'est pas parce que la situation lui paraît très critique, je ne veux dire, en Haïti, pour nous penser que M. est capable d'ouvrir le pays pour nous rentrer vite faire sauver. Tout d'abord, déclaration Abinader là, l'MT le matin, hein, moi-même, il y a des gens qui ont fait une réaction sur un groupe WhatsApp qui est mis, moi-même, moi, j'ai pas opinion, et m'était clair sur lui. Et je pense que quelques temps plus tard, tu n'as pas vu une réaction que les gens qui étaient d'accord avec. Imaginez Abinader, c'est président de la République dominicaine, il n'est pas président d'Haïti. Donc lui-même, c'est protéger les citoyens dominicains, c'est créer travail pour les citoyens dominicains, mais il n'y a pas aucun étranger pour le faire pour eux. Non. Donc, si un étranger vous trouvez en République dominicaine, eh bien, il faut vous arranger où, eh bien, pour capable de travailler dans le pays, et puis laisser ça, ou marcher dans l'ordre avec la droiture, et puis de façon à ce que pour Jean loi République dominicaine Mandel, et puis pour vivre en paix. Dans le pays Mounio. Yes. Mais si vous apprenez dans le pays Mounio, vous pouvez aller jongler, ou pas un passeport, ou pas un visa, et vous pouvez aller au travail, mais le pays, ce n'est pas Haïti lié. Haïti n'a pas de pays, pas, ou pas besoin de passeport, ou pas besoin de visa pour aller au travail. Mais pas bien que c'est en terre étrangère que vous avez fait pour conformer. Donc, Abinader lui-même, s'il décide pour le défendre le pays, li, s'il décide pour le défendre le territoire, li, c'est Wally. Quand il a la liberté à dirigeant haïtien, il a même pu réformer l'immigration à la caille. Parce que, nous pas d'accord immigration en Haïti si seulement c'est moun k'ap fait passeport pour moun avec moun k'ap mette sous passeport dans aéroport avec n'importe et puis nous dit nous gen service d'immigration nous pa gen police d'immigration nous-mêmes étranger après rentrer dans pays a agnespé dans pays a nous pas checker pour yo
Et tout ce qui a fait un travail dans l'ONG, ok, il a touché Kobio, il a fait un peu à la caillou, il a fait un transfert à la caillou, et puis même taxe pas payé dans le pays. Alors que vous-même, comme haïtien, ou bien quelle soit l'autre nation, quand vous êtes dans l'autre pays, ou à travailler dans l'autre pays, il faut payer taxes. Donc ça veut dire, ça, Abinader lui-même, c'est droit lui pour défendre l'intérêt des Dominicains, l'intérêt de la République Dominicaine avant tout. Donc on y a là pour haïtien qui habite en République Dominicaine, c'est eux-mêmes pour connaître, pour marcher sous trois, pour papier les quatre, et puis pour arranger, ok, pour être capable de gagner papier, pour travailler dans le pays mounio, et puis après ça, pour avoir une vie meilleure. Deuxième bagaille, si Abinader lui-même, lui pense que son haïtien besoin de travailler en République Dominicaine, il faut qu'il gagne papier. Donc, on y a là, on pense que une loi qui doit sortir, si pas de loi, une loi qui doit sortir. Il dit, mais qui conditions pour mon gagne papier pour capable de travailler en République Dominicaine? Est-ce que vous côté pour aller remplir une application pour fonder monde? Si vous qualifiez, ok, et bien après pour nous, et puis il y a bon papier pour aller travailler dans le pays. Donc, parce que personne n'a pas osé critiquer Abinader, parce que lui-même, comme dirigeant pays, lui, premièrement, il doit défendre l'intérêt pays. D'accord. Et le fait qu'il ouvre la porte, il permet que les Haïtiens soient capables de traverser le travail quand même, même les. You know, et la carrière pas un travail, mais il peut traverser le travail de l'autre bois. Depuis qu'il respecte le règlement, il n'y a pas de problème. Oui, exactement. Arrangez-le. Exactement. C'est ça. Pas bien et qui mal. Pas bien et qui mal. Exactement. On nous rentre au Venezuela. Côté que je dis à la grande déclaration qui fait, son baguette toujours fait, mais quand même je dis à M. Fell avec plus précision. Et M. Maduro a déclaré que l'icône que le président Trump a fait plan pour tout yel. Le plus souvent, il compte deal, mais il pas compte deal direct comme ça. Mais je dis à la déclaration, ça a montré que c'est non-sens, il y a des preuves, ou bien, pour pas gandane ou pas connaît, mais quand même ça qu'il dit, il dit qu'il connaît que le président Trump a fait des plans pour tout yel. Est-ce que vraiment n'en pensez pas nous penser que le président Trump a intérêt qu'on a la boule d'altouye Maduro? M'a dit deux mots. Oui. Oui. Le président Trump a fait la café. Pas rien à la préfet. Le bulletin qui a descendu, général iranien, dans le territoire Irak, par un missile. Irak, par un missile. Je ne suis pas dans le territoire, lui, je suis en mission, dans un pays sur lui. Il vient même fois avec lui, il descend de son missile, qui la cause Iran, obligé de mettre accusation terroriste internationale contre lui, même il y a un mandat pour lui. Président Trump, déjà été attaqué, Maduro était déjà un bon assassinat contre lui, par des mercenaires étrangers, et Matel était maté lui. Par exemple, président Trump, pas fait. Président Trump, ce n'est pas le premier assassinat président qu'elle fait, pour t'as dit, on prend. Passant Venezuela, tu as perdu Hugo Chavez, qui était très suspect. Tu as bien même un pasteur américain qui demandait George Bush pour t'a dépenser trop de cobs en Irak pour prendre Saddam Hussein, pour qu'il s'en balle en balle. On balle mieux pour Saddam que d'aller dépenser pour aller faire ceci, aller faire cela. Moi, je dis, on voit les deux. Tu peux faire des grâces. Hein? Et dernière fois, là, le président Trump pensait que l'étranger, qui t'a parlé. Comploté pour venir assassiner l'autre. C'est sûr que sous elle dit, c'est que dans M. Kembe, il y a des traces. Gouvernement américain, là, nous. Ça m'a dit que le président n'a pas fait, lui, il n'a pas fait déclaration comme si. Moi-même, une seule fois que ça le dit, il est possible pour négocier. Mais je fais ça déjà. Yeah, et surtout qu'on est président Trump, il supportait Juan Guaido. Oui, contre. Exactement. Donc ça va me bagarrer, il bagarre. Ok, allez, Oumou, non? Ok. Pas oublier que si Maduro lui fait une telle déclaration, c'est parce que il y a des pistes. Oui. Il y a un service secret qui fort, la Kaili. Pas oublier que dans la nuit, dimanche 3 mai qui se passe à là, il y a un groupe paramilitaire qui a lancé une action commando dans Bé Caracas, qui c'était une tentative d'invasion. Qui pouvait aller renverser Nicolas Maduro. Parmi eux, tu gagné deux anciens membres d'une force spécialisée américaine qui était dans eux. Donc, Mounsayo, ils ont déjà une arrestation. L'autre, ce sont des mercenaires, ou bien c'était des mercenaires, qui étaient sortis dans le pays Colombie. Environ, c'était 13 qui ont été. Donc,
Après ça, t'es une dizaine encore qui t'a pas traversé par frontière Colombie avec Venezuela, auquel ils ont arrivé jouer une arrestation. Et si nous songe de Américains, une qui est le Luke Denton, qui est 34 ans, avec un autre qui est le Ivan Berry, qui est 41 ans. Par contre, si nous songe, non, ça, mais moi-même, songe parce que. Vous n'avez pas de ça, yes. Donc, monsieur Sayo, qu'on y a là, qui trouve dans la prison dans le pays Venezuela, monsieur, même, avec propre accusation qu'il a fait, il a dit que c'est président Trump même, avec l'équipe qui était voyée, qui vient travailler, qui est capable de renverser Nicolas Maduro. Mais l'œuvre là, même, ce n'est pas pour seulement renverser Nicolas Maduro, non. C'était arrêter Nicolas Maduro, mettre le nom à avion, et puis rentrer aux États-Unis avec pour venir juger. Et rêve là ça, et tu es capable de tout monter, Juan Guaido, un député, ce qui va même passer pendant l'élection, et puis qui auto-proclame être le président du Venezuela. Donc, bagaille ça, la cause, Venezuelien a souffri, Venezuelien, coup Venezuelien, ça que j'étais au la Colombie, ça que j'étais au Trinidad, ça que j'étais au Nouvaquette, l'autre petit pays. Même en Haïti, il y en a aujourd'hui qui a vivre, même le Mbakon condition. Mais ça veut dire, situation tellement compliquée dans le pays Venezuela. Mais pas oublier que, et Venezuela, il y a un pacte qu'il a signé avec la Russie. Donc la Russie, depuis avant le mouvement, c'est là qu'il vient de poser beaucoup. Donc ça veut dire, avec présence la Russie, Timaï ne doit pas qu'à monter, Timaï ne doit pas qu'à descendre. Non seulement ça, parce que Venezuela, qui c'était le cinquième pays producteur de pétrole dans le monde, je ne dis pas, eh bien, le pays Venezuela vraiment a fait face à une situation qui n'est pas même arrivée à être le pétrole. Et si je dis, peut-être qu'il y a peut-être 2 mois comme ça, il y a 4 ou 5 gros tankers qui ont sorti dans le pays, qui ont le poté et gaz ou le pétrole dans le pays Venezuela. Et bien, les gens qui est-ce qui est campé dans la mer en bas, les Américains qui ont le gros bateau en bas dans la mer. Et puis, vous savez qui est-ce qui te dit, Américain, pas bouger, pas manger, pas coller. Qui te dit passer. Et puis, bateau s'est obligé de passer à Venezuela, à le poté pétrole aller. Donc ça veut dire pas rien qui est possible. M'a pas dit oui et Nicolas Maduro côté jeune causer ça l'a dit a m'a pas arriver là. Oui. Mais la fumée pas qu'on lever sans effet, mais si on connaît que Jean Nicolas Maduro bon série d'informations, il se pourrait que m'a pas dit ça dit à ses vérités, mais rien pas impossible parce que la fumée qu'on lever sans effet. C'est vrai, d'accord. Nous avons 2 minutes qui restent pour nous cap fini, nous avons dernier dossier nous va parler de lui-même, c'est la Russie. Élément que nous avons Alexei Navalny et monsieur li empoisonné et docteur Germany fait comprendre qu'il rejoigne un neuf gaz dans corps monsieur. La Russie déclaré qu'il n'y a pas grand pour faire ça, il n'y a pas même qui fait. Il dit qu'il y a plusieurs façons que monsieur est capable d'empoisonner. Il fait comprendre que ce monde international a créé une série de rumeurs pour capable sale nom la Russie. Qu'on est, à cause que nous connaissons l'histoire, la Russie n'a fait poison de politique moun ki oppose gouvernement Russe et Vladimir Poutine. Est-ce que ça li même li impossible? Est-ce que li impossible pour que ça pas sembler avec la Russie vraiment? Est-ce que ne pas ouais mais Vladimir Poutine nan bagay ça semble que men la dan? Même dit deux mots. Allez-y. On a ici bon phénomène de gaou. Gaou a c'est peut-être qui bébé le manger. Bon voisin. Son phénomène explique. Mais fort souvent, les gens qui mangent du monde, ils créent plus que les gens qui mettent froid. Pour qu'ils puissent découvrir. D'accord. Moi, je n'ai aucun doute, là, on va faire ça. Au lieu d'en enquête, je ne peux pas dire ce qu'il fait. Même là, j'ai dit qu'il y a un intérêt qui a gagné dans la couverture pour dire ça, pour couvrir pour l'autre monde. Vous, vous avez appris enquête, vous avez défini les gens qui font ça. Et tout ça, déjà dit. Yes. Allez, vous avancez. OK. Information. Li gen an pil koze de el. Abliye ke nan peyi sa yo, lop an peyi Europe de l'Est sa yo, surtout lop an tout peyi ki entoure ou bien ki kote la ou si li gen pied a terre sou yo. Paske fok nou di telespectateur kapten la yo. Se pa solman Etats-Unis ki gen pied a terre son seri de l'autre peyi. Si nou pas se Etats-Unis solman ki gen pied a terre, non se sou seri de l'autre peyi. C'est pour qu'on fait l'information. La Russie, lui-même, tout le conseil des pays, il y a pied à terre sur eux. Oui. La France, lui-même, il y a un conseil des pays, il y a pied à terre sur eux.
parmi eux, on serait des pays d'Afrique, surtout pays d'Afrique francophone. Yo. Donc la France, il y a des pieds d'terre sur. L'Espagne, on serait des pays, il y a des pieds d'terre sur. Ça veut dire, bagaille là, il continue bagaille petit au niveau international. C'est un coup là même la Chine. La Chine, il conseille des petits territoires, il y a des pieds d'terre sur. Et la force est point toujours. Et la force est point toujours. Yes. Exactement. La force est point toujours. Donc, pas oublier que lorsqu'on est contre Vladimir Poutine, c'est pour être capable de lâcher pouvoir bailler comme ça. Et lorsqu'on est contre Alexei Navalny, qui est en tête opposition dans le pays la Russie. Donc, si on a une trace d'empoisonnement sur lui, il n'est pas impossible. La Russie, madame, j'en dis que c'est lui-même qui fait ceci, cela. Il n'est pas besoin de dire ça. Exactement. Il n'est pas besoin de dire ça. Qui est le gars pour le faire? Si là, le fait, eh bien, la CPI n'a pas le vin sous le biel. On, pour crime ça. Comme il ne s'est pas mouru, mais là, il vient dans le pays allemand, dans l'hôpital, après tout test, il fait, il rejoint, il y a un signe de poison et l'enfant. Donc, ça veut dire que poison sorti quelque part, qui côté M. David, c'est pas dans le pays là aussi? Exactement. Mais, n'est-ce pas, yo gagne dans pays là. Nèg la, ou pas besoin manger dans mel. Pour le bon poison, ou pas besoin prendre dans mel pour le bon poison. À distance, gagne la flash avec un laser, c'est mieux empoisonné. Yes. Technologie que nous même aussi nous doit pas gagner. Mais vous payez, vous gagne technologie ça. Si vous voulez manger mamou, vous gagne mamou j'en ou bien. Alors, ou pensez qu'il est impossible, il n'est pas impossible. Impossible. Bon, c'est un bagage. Pendant qu'on a parlé de bagay sa, Géon, il est même, monsieur, si un fanatique Vladimir Poutine que monsieur est dans la Russie. Monsieur a déclaré que il regrettait que monsieur pas mouru en parlant de Alexei Navalny. Monsieur dit comme ça que poison au balier. Il dit ça. Alors, parce que monsieur pas dans le gouvernement, il est un fanatique, un monde qui a un groupe qui supporte Vladimir Poutine. Il a fait déclaration. Il dit comme ça que. Plan, c'est pas pour te malade, c'est pour te mourir. Et monsieur dit comme ça que s'il levait, la fête tout ça capable pour l'éliminer, monsieur. Ça, c'est une déclaration. Un fanatique, un monde qui fanatique qui a supporté Vladimir Poutine qui fait déclaration. Alors, Vladimir Poutine, personnellement, il s'est écarté col de déclaration, ça. Mais soit coûter déclaration, j'en qu'il fait là. Parce que le plus souvent, quand on est bailleur, c'est proxy qui est. Il n'y a pas guerre directe, il n'y a pas comme si on attaque direct. Il n'y a pas, c'est pas l'autre monde qui le fait. Donc c'est possible. Élément ça, il connaît ce qui passe, il connaît qui est-ce qui est derrière. Et c'est ça qui fait que je me dis sincèrement, je ne peux pas courir dire oui, c'est Vladimir Poutine, mais mon cher, à 80%, il semble groupe monde en pile. Oui, il va impossible. Oui. Quand on le dit deux mots sur la République dominicaine, non? Oui. Normalement, président dominicain lui-même, il fait une déclaration pareille. Mais le président dominicain connaît que le groupe haïtien illégal, il n'a pas besoin de papier, le dominicain est toujours exploité pour le travail. Oui. Quand le groupe haïtien a pris un jardin, le président dominicain n'a pas dit que c'est pas pour le travail. Elle connaît bien, c'est pas papier au travail. Elle dit, si elle a décidé, c'est le monde qui a papier, qui a appris, c'est pour aller en Dominicaine, eh bien, elle a tout perdu question sucre là. Mon chèque, ouais. Elle a fait deux calls, dit-elle. Elle connaît bien ça. Lalan, Sodi à frère, il y a certainement vérité là-dedans, et d'accord. Bon, tout le monde encore. Économie dominicaine lui-même, il posé sous deux travailleurs qui touchent un petit comme tout petit. Sans papier à travail. Il connaît bien, il connaît bien grande partie, il n'est pas capable de fonctionner 100% sans pas exploiter moun sa yo qui a besoin de travail sans papier. Je pense que son déclaration politique, il dit pour être capable de faveur dans le exactement. Dans le peuple. Ok? Dans le peuple, c'est tout le monde qui parle de haïtien. Mais il connaît bien, il n'est pas capable de fonctionner sans papier. Exactement. Absolument. C'est ça que lié. Oui. Anyway. Bon, pourquoi nous presque fini, nous à la fin de passer 2 minutes en plus. Dernier mot pour moi, s'il vous plaît. Annie? C'est un plaisir pour me ensemble avec nous jusqu'à dernière minute ça. Moi, je vous remercie, tous les amis téléspectateurs. Je pense que très bientôt, nous avons une chance de t'en moi encore. Et merci à Abner, merci à Ololoy.
pense que amis téléspectateurs yo et ben à contenter de nous la prochaine fois. Merci en pile. Merci. Ololoy. Nous dis merci avec PDG Abner et c'est un plaisir pour nous sous HPM TV. Et nous dis merci à téléspectateurs qui sont fidèles dans l'émission ça. Essayez de retrouver nous dans notre point encore pour nous partager informations et commenter. Même si je ne fais pas, je dis merci. Merci, c'était Abner Gelin pour HPM Haitian Public Media. Passez une bonne soirée et bon Dieu bénisse nous. Bye bye.